J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce matin très très frisqué, on a choisi, je pense, le matin le plus frais pour faire les panneaux solaires. Mais ça va le faire. Au moins, il fait beau. Salut, nous c'est la Road 4 Family. Cette famille un peu folle qui a décidé de tout plaquer, de vendre sa maison et de vivre en étant nomade. Enfin, en road trip au Mexique, on a décidé d'acheter un bus à aménager complètement de A à Z pour y vivre et voyager autour du monde. Alors oui, on est peut-être un peu fou, mais si cette folie te plaît bien et que toi aussi tu as de folles envies de liberté, alors n'hésite pas à nous suivre dans cette folle aventure. Abonne-toi. Bon. Zia. Dis pas bonjour. Salut. Ça va? Nouvelle On est en train de charger les panneaux solaires là. Nouvelle vidéo, chargement des panneaux solaires. On les a pris dans le garage. Direction un camion. C'est de la bonne fête. Regardez. Je crois qu'il fait froid. C'est qui con qui a collé ça? Personnellement. Tu veux pas les sortir un à un au fur et à mesure qu'on aura besoin? Et comment on les sort là? Bah, je sais pas. Bah voilà. Attends, déjà on peut peut-être dégager l'échelle. Et comment tu la sors l'échelle? Tu vois que l'échelle c'est faisable? Ah bah j'ai jamais dit que c'était pas. On va la mettre debout. Ça va, il y a que du panneau. Non mais c'est bon. Oh on va l'apporter tout à l'heure. Comme ça. Et tu veux pas qu'on couche? Et comment enlever ça? Hein, je sais pas ce que t'en dis, mais... Du coup, c'est quoi comme panneau et c'est quoi comme voltage? Alors, c'est des panneaux LG. Ils font 390 watts. Et c'est les nouveaux, je sais plus comment, c'est les mieux en fait. Et c'est les top du top. Mais il faudrait mettre les attaches avant, non? Ouais, mais ça n'empêche pas qu'on peut l'enlever. Ouais mais regarde. Bon par contre la ça sera pas. Mais bon, faut partir partout avec ça. Donc les traces qu'on a fait tout à l'heure, moins 1 cm. Alors du coup, comment on les met? Alors bonjour pour cette nouvelle vidéo pour l'installation des panneaux solaires. Bon d'accord, je vous l'ai fait court. Donc, les panneaux solaires, on va les installer comme celui-là, en fait. Celui-là est mis comme ça. En fait, on va en mettre deux. Donc on va faire un, deux, un autre dans ce sens-là, et un, deux. Et après, un autre derrière, entre les deux, l'autre derrière. Là, le toit est bien gelé, ça va être super, mais ça glisse pas, déjà c'est bien. Et pourquoi celui-là tu le mets dans l'autre sens? Parce que là, il faut que je fasse un trou pour l'aération de salle de bain. L'aération de la salle de bain, donc si on met les panneaux solaires comme ça, je pourrais pas la mettre. Donc on fait un, deux, un, deux, et un dans le milieu. Et le dernier là. Ok, bon. On va faire ça comme ça, on a pris les marquages du milieu pour mettre les premières fixations. Et après, on va voir. On va voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Ouais, non, je prépare, c'est tout. Ouais. J'ai pas le droit de préparer là. Putain, c'est pas vrai ça. Quelqu'un veut prendre le tonneau? En fait, c'est pas le geste, c'est la verdure. Ouais. Bon, ben là, nettoyage du toit pour pouvoir que les fixations soient étanches. Mais
comme ça les gars là. Un peu plus à gauche. Ouais. Un peu plus à gauche. À gauche. À gauche. Il m'en faut plus. Et après tu me diras, on peut très bien prendre. Ça sera coupé au montage. J'ai fait des plans au drone et j'ai crashé le drone. Voilà. J'étais en train de monter et il y a une branche que j'ai pas vue. J'ai pris une branche. En fait, en tapant la branche, ça a fait sortir la batterie. Et du coup, ben, tombé raid. Voilà, je suis dégoûtée. Il y a là. Bon, c'était que le châssis. Et puis cette aile là. Voilà. Donc bon, j'ai regardé vite fait sur le site, sur des sites et tout, tu trouves des pièces de remplacement assez facilement, heureusement. Donc faut changer le châssis supérieur, le châssis central, le bras arrière gauche et peut-être aussi le bras arrière droit. Parce que là, il y a un jeu, là, faut voir si ça se remet correctement ou pas. Voilà, je suis blasée. C'est pas pour rien que j'aime pas faire le drone. Généralement, c'est Valentin qui fait le drone. J'aime pas, ça me stresse tout le temps, j'ai toujours peur de faire une connerie et ben voilà, ça c'est confirmé. Je le reprendrai plus, c'est plus moi qui ferai. Voilà. Ah, moi je m'en fous, c'est juste une question d'esthétique. Ouais, l'esthétique. T'as du jaune. Justement, il faut améliorer l'esthétique. Donc, ne le trouverais-tu pas beau? Si, il est très beau. Là. Il est là? Est-ce que tu es satisfait? Là, je suis satisfait. Bon. Ouais, bah oui, oui. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. On va la retrouver, non? Moi, je suis à 91,5. Moi, j'ai tout fait à l'œil. Hein. Ah, si? Monsieur Folleil. Maugré! C'est mauvais, c'est pas trop mal. Oh! J'ai un peu tardé. Ouais, mais ça aurait fait. Ça aurait pu faire plus de vues. C'est plus ça de que vues. Je disais, tu vois. La prochaine fois, loupe-toi pas, ça fera des vues. Non, je le tiens. Hop! Tu es de l'eau? Il est bon. Et d'une, plus que 15. Ouais, je te dis, j'ai voulu venir en moto, mais. En fait. Ouais, peut-être y aller en bagnole. Moi aussi, je voulais venir en moto, mais je me suis rappelé que j'en avais pas. Mais. La prochaine fois, fais ça l'été, quoi.
prochaine fois, je le ferai pas. Hey, j'ai remis mes gants, moi, comme un connard. Attends, ah, non, pas moi j'ai pas mes gants. Bizarre. J'ai pas mes gants, vu que je suis pas un gros connard. 90,5. 92,5. 92,5, ouais. Non, 91,5. 80, comme ça. C'est Charlène qui fait le dérush. Je suis peut-être rendu à une demi-heure de film, hein, pour l'instant. Ah, c'est très bien. Elle a dit, il faut filmer, je filme. Mais vu que c'est toi, ça sera pas coupé au montage. Ah, mais nom de Dieu, fils de pute! Vis de pute. Je suis le maître du monde. Ah, la Boostify qui arrive. Moi j'en ai un, je l'ai perdu. Bon voilà, on vient d'installer 5 panneaux solaires. Il en restera un ici où je suis. Mais on a fait tout ça. Voilà voilà. On se retrouve le lendemain. Enfin le surlendemain même. Le surlendemain. Et Valentin, vous voulez. Ouais voilà. Ce que j'avais comme fixation de panneaux solaires. Donc c'est des platines. On prend à l'intérieur parce qu'avec le chien qui jappe, c'est vrai que c'est très désagréable pour vous après. Donc voilà, donc qu'est-ce que tu voulais nous montrer? Donc alors, c'est des fixations en alu. C'est des platines que par-dessus, on vient mettre, sur des platines qu'on viendra mettre, des fixations qui se mettent dans leur alu. Comme ceci. Ok. Voilà. Et après, quand il est sur la platine, on peut le déplacer. Il est mal coupé celui-là, il glisse mal. On peut le mettre à n'importe quelle distance. Ok. Donc voilà. Nous, on a essayé un maximum de les mettre au centre et de tout mettre bien calculé. Et quand on regarde la vidéo, on voit que le milieu... Les rails sont pas alignés. Ils sont alignés sur ce bord-là. Parce que le vis est de ce côté. Donc
on a pris un centimètre en plus pour pouvoir s'aligner le long de la platine pour pouvoir serrer les panneaux solaires dans le milieu. Dans le milieu. Donc c'est normal que ça soit pas aligné. Donc il y a deux types de fixation. Il y a les fixations centrales entre deux panneaux et les fixations sur les côtés. Sur les côtés, c'est comme ça. Et donc là, on peut régler la hauteur du panneau. Et là, on serre et ça le fixe, tout simplement. C'est vraiment bien comme installation parce qu'on a fait... C'était long pour faire les marquages et tout, mais au final, une fois vissé, donc en vis, on a choisi des vis auto-perforantes et avec un joint. Du coup, pas de joint de silicone normalement. Moi, peut-être qu'à l'avenir, voilà, j'en mettrai. Voit, mais on c'est voit là aussi pour ici. Que voilà, il y a en une fait, sorte c'est de une mousse. Mousse. C'est une mousse qui fait joint avec la pression de la vis. Ça écrase les deux tôles. Et du coup, le joint est entre les deux. Donc normalement, on n'a pas besoin de silicone. Mais bon, je ne suis jamais sûr. Donc là, on va tester. On va mettre l'eau sur le toit. Ouais, on fera ça cette semaine. Ouais, demain ou après-demain. Il faut qu'on monte l'autre panneau. Là, je vais aller tout mesurer pour pouvoir le faire demain. Et alors, du coup, est-ce que c'était dur d'installer les panneaux solaires? Alors, en soi, c'est tellement facile. Mais c'est tellement dur de les mettre comme il faut. Parce que ben, j'avais l'extracteur d'air de la salle de bain qui gênait un peu. Ouais, c'était dur au niveau des mesures finalement. Ouais, et les mesures, ben, je les avais mal prises. Enfin, je les ai prises 100 mètres déjà. Ça aide pas. C'est un peu plus dur. Et de l'intérieur. Oui, forcément, tu ne pouvais pas avoir pris les bonnes mesures. Voilà. Moi, je pensais qu'il y en avait 5 qui passaient tous du même, même sens. Sauf que ça passait pas de 30 cm, je crois. Ouais, quand même. Ouais. Je me suis trompé de 30 cm. Voilà. Et du coup, on a mis... Bah comme vous l'avez vu, de toute façon. Et au final, c'est très bien comme ça. Mais... Et ça passe pile poil. Et du coup, là, je vais mettre l'autre. Le dernier, tout seul derrière. Ouais. Ok. Et après, bah, peut-être qu'à l'avenir, je mettrai autre chose derrière. Encore des panneaux solaires, je sais pas. Bon, c'est déjà bien, là. Ouais, là, on va être bien équipé, là. Bon, mais en tout cas, du coup, c'est faisable, quoi. C'est les branchements qui sont peut-être plus compliqués. On verra ça dans une autre vidéo. Je suis pas sûr que ça soit beaucoup plus compliqué parce que... Oh, je les avais là. En fait, les branchements, c'est du MC4. Donc, c'est tous les panneaux solaires sont comme ça. C'est un mâle, une femelle. Et voilà, le branchement est fait. Oui, mais après, pour avoir l'électricité dans le bus, c'est encore une autre histoire, quand même. Parce que tu n'y as pas réfléchi, chérie. D'accord. Moi, j'ai déjà réfléchi. Et bah, tu nous expliqueras tout ça dans une prochaine vidéo. Ouais, ouais. Quand ça sera tout branché, parce que je vais mettre peut-être 7-8 jours à le faire tout seul. Hein. 7-8 jours, rien que ça. Non, mais faut que je m'attelle à brancher les batteries, brancher l'onduleur. Ouais, c'est pas fait encore. Ce sera pas tout de suite, ça. Mais bon, je vais les laisser débrancher au-dessus. Et je les brancherai au dernier moment quand les batteries et les onduleurs seront branchés. Il faut d'abord brancher les batteries et après les panneaux solaires. Autrement, boum! D'accord. Voilà. Ok. À moi? Bon, bah du coup, on va conclure là, cette vidéo. Ouais. Allez, bref. Salut! À la prochaine. À la prochaine.